On a nos valeurs. Alors va leur dire qu'on ira aux valeurs. Car le temps est notre maître et peut nous mettre dans d'immenses dimensions. Là où dans ta tête le temps s'arrête, que tu te vois venir avec un texte et que tout le monde lui donne dimension. Qui n'a jamais rêvé d'avoir ses rêves sur vidéo? Je vis des hauts et des bas, mais j'accepte ma vie car elle n'est pas un débat, même si souvent elle me fait bader. La rime m'atteint dès que le matin rit, que je m'atteins mot qui comme un pinceau m'atteint. Car les mots sont comme des couleurs. Certains évoquent des coups et d'autres évoquent des leurs, car ils t'ont mis à genoux vu qu'ils ont touché ton cœur. Tu, je, nous devrions chanter en chœur, mais la peur nous domine, pourtant on est sans chaîne. Aussi vrai que domine s'enchaîne jamais sans ré. Je crois que j'ai une meilleure idée. Je vais faire d'un paquet de rimes un bouquet d'orchidées. Je suis loin d'être un personnage torturé. Je plaide non coupable, messieurs les jurés. C'est seulement plus facile de se dévergonder que de faire d'un paquet de rimes un bouquet d'orchidées. Le buzz est balisé, consommable et banalisé. Mais je ferai pas de démo avec des mots démoralisés. J'agonise pas, j'ironise, j'ai trop idéalisé. J'étais pas chaud pour le showbiz, mais chaud pour pécho-alisé. Je me souviens de ma première soirée slam. On m'a dit, ange, viens, il y a des soirées où on passe du rire aux larmes, où les mots sont rois, où les hommes respectent les femmes, où on répond avec de l'eau à celui qui parle avec des flammes. C'était comme voir pour la première fois des papillons battre des ailes. Il y avait des hommes beaux et de belles gazelles. Ils utilisaient les mots comme béquille ou comme attelle avec leur propre univers, pas comme un tel ou un tel. J'en ai assez lutté, j'ai trinqué, salouté. Je pensais que j'étais seul à tort, j'ai fini au sol à terre. Je traîne avec des saltimbanques, ils sont un peu attaqués. Qui peut stopper cette équipe au taquet? On est rentré sans toquer. J'ai trop de rêves à lister, j'aime les étoiles, pas les stars. Je me connecte à l'instant et je me fique à l'instinct. Je suis vraiment à l'ouest, détestable ou distant. Pourquoi je me mets dans cet état? Je me sens déjà inexistant. Je devrais me recentrer, mais je suis récalcitrant. Tu peux pas tester là, la lumière est stable. L'air, il faut pas rester là. Si on vient de s'installer, un stick et un stylo, et tout a l'air stylé. Donc en fait, voilà, le principe, c'est que vous avez laissé des mots pendant tout ce temps. Nous, on est revenu aujourd'hui à Nîmes. On va regarder les mots qui sont sur ce tableau qui nous est emmené par Marie et Rodi. Vous pouvez encore une fois les applaudir, s'il vous plaît. Écoute ça avec l'amour, facilement on se blesse. L'amour c'est pas un théorème, c'est pas celui de Thalès. Et c'est pour ça qu'avec l'amour on est en train de construire notre art. L'amour c'est pas mathématique, dédicace à Monsieur Boissard. C'était sympa de lui faire un hommage, mais en même temps il est pas là, c'est dommage. Il paraît que ce prof est un peu taré, c'est un prof de maths, mais est-ce qu'il est vraiment carré? Oh. Géométrie, t'as compris, au niveau des flots je maîtrise. Et c'est comme ça, je crois qu'il gère peut-être un petit peu mieux au niveau de l'algèbre. C'est pour ça, théorème de Pythagore. Deux amis et puis ça rime grave fort. Et ouais, c'est comme ça qu'on vient pour poser. C'est juste un petit cours qu'on vient vous proposer. Bienvenue à la première session Ta mère la mieux qu'il va y avoir à Nîmes. Et s'il vous plaît, pour ce concept qu'on est en train d'investir avec l'Université de Montpellier et avec l'IUT de Nîmes, je vous demande de faire un maximum de bruit. Et let's go, s'il vous plaît, du bruit pour Ta mère la mieux dès maintenant. J'arrive à peine à formuler deux phrases. Toi, quand tu vas dans un open mic, bah c'est le rap qui prend sa claque. Tu pardonnes tous ceux qui t'offensent. Les rappeurs s'en remettent à toi dès que leur style flop. Chaque jour ils te font des offrandes. C'est toi l'esprit hip-hop. Quand je parle de toi, sache que je minimise si j'utilise le terme lyriciste. Moi je suis là, inconstante, pendant que toi t'as ramené un bon round. T'es là, indépendant, quand j'essaye de pas écouter tout ce qu'on dit. J'essaye de faire mes preuves quand toi t'as déjà tout conquis.
car tu t'en fous du tape à être la pute, une petite larbe ni arbu, à la fois gamin et adulte. Pour toi, je serai le larbin et l'armure. T'es le meilleur des ophtalmos, je me perds dans tes yeux, puis dans ta plume, à chacun de tes mots, car tes vers sont tellement puissants que j'en ai retrouvé la vue. Ce mec, il a fait des battles au Rap Contenders, au Roar, à la Punch League, à la 59 Arena, à Ultimate Clasher, Jokovers Bars, Fuck That, Takeover, au mariage de sa belle-sœur, et j'en passe des meilleurs. Sur ma tombe, je veux qu'il y ait inscrit comme épitaphe, Mathurin a été pile-poil le 357e battle de deux tafs. On m'a dit de te complimenter, mais quoi que tu fasses, moi j'aime hop, absolument tout ce que tu fais. Ta bête et un plomb si t'as cru que j'allais t'insulter, car t'es qu'une putain de bonne personne. Pour les rageux, c'est pas acceptable. Donc maintenant, bouffons ensemble et à la même table. Nicoca, jusque-là, aucun de tes adversaires n'a su se montrer digne de toi. Le 26 mars, c'était mon anniversaire. Ça fait plus d'une semaine que je trépigne de joie. Je suis sincère, c'est à l'édition 1 que ça aurait dû se faire. Vous voulez que je vous dise pourquoi? Parce que pour lui faire des compliments, en dehors de la jambe féminine, personne n'est plus légitime que moi. Oh. Frérot, 40 ans passés, tu restes un beau jeune homme. Ouais, t'es beau. Comme un arc-en-ciel. Et je me lasserai pas de répéter que t'es plus haut en couleur que des dragibus LGBT. Quand il dit qu'on est censé être côte à côte, pas face à face, tu te demandes pourquoi. Dobre za par sam, toi brat, t'es mon chéri, j'ai appris le polonais pour toi. Être posé avec deux trois potes à parler de battle, pourquoi pas, Yafoy. Mais te clasher même pour rigoler, c'est une ineptie. Pourquoi, Yafoy? La leçon est viscérale, je profite. T'as un flow intersidéral, il me faut le fit. En fait, t'es tellement spécial que tu transpires de l'eau minérale, Volvic. Yes. Perdre l'estime de soi, des fissures qui se répartissent, des diagonales en croix, sur symétrie de Narcisse, obligé de cacher le sang sur la vitre, ma psyché est décachée, sa furie devient arbitre, torture éternisée, des insultes qui vous mordraient, trace-nous nos autoportraits avec des bouts de verre brisés. Les défenses qui se cassent, l'exaction de mon ivoire. Comment se voir dans un miroir quand on a perdu la face? Le chef au bloc car je consomme sans modération. Celui qui commande l'addition dirige les opérations. Pendant que ça chuchote, j'enchaîne une chute de shot au chu. Je prends mes ailes, je te soigne, je suis un ange déchu. Tous les jours je me lève et je pars en guerre, car ta carte vitale est moins vitale que ta carte bancaire. Je préfère taffer fort que finir dans une mauvaise boîte. J'ai une oreille interne, donc normal que je l'exploite. Dans tous les cas je clame. À force d'écouter mes enceintes, je fais du rap de sage-femme. Les nabos me trouvent trop fort, je t'intube, je forge. J'écris des tubes qui te restent en travers de la gorge. Appelle-moi docteur de l'éthique. Je le fais par passion, mais vas-y, donne le fric. Thank you.
il y a comme une connexion. Les mains vont de gauche à droite, comme la France aux élections. Le talent fait pas le succès, mon palmarès n'a plus de page. Puff Daddy n'aurait pas percé s'il avait le pouvoir de Lucas. Et tu caches si t'as le trac et que t'as trop mal au beat. Tu craches tout pour un instant, face Polaroid. Y'a les packs, des gueules, des packs, des packs, des packs, des dans des raps, des mettez des gages, des mettez des manifestant ou CRS, qui fait le Néandertal. Des questions, les promesses, foi. Oui, ça pue les Steve, répression est mauvaise, foi. Qui a tué Steve? Où est l'autre moi? Où? Où situe l'autre moi? Oublies-tu nos devoirs? Oublies-tu nos devoirs? Où situe l'autre moi? J'ai Louis Hugo Benoît. Du bruit pour cette trilogue qui a inspiré Morceau de Soupleur.